Voilà. On est reparti. Attention. Oh, ce son! Donc, je vais faire un petit récapitulatif parce que j'ai commencé un podcast sur FF8 il y a la semaine du TGS. Donc, du coup, je viens juste de passer l'examen CID. Et du coup, bah, Cypher et sa bande nous ont laissé. Donc, on va rentrer à pied à la BGU. On va voir ce most epic scène de la série, c'est-à-dire la scène du bal qui est un peu incontournable. Je pense que 30 minutes, on est bon. Parce que 30 minutes de jeu, en fait. Si j'ai arrêté les schtroumpfs, c'est par rapport à Argate que je l'ai pas dit. C'est juste qu'en fait, j'ai un problème de touche. Et que si tant que j'ai pas trouvé la touche accélérée, je peux pas passer un certain passage. Et puis voilà. Donc, c'est la fente 2, si je me trompe pas. De sauvegarde, me connaissant. Ouais, c'est Ellie. Excellent. Boum, 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 boum. Et quand même, il faudra aussi que plus tard, dès que je pourrai, je reprendrai aussi la version PC, qui est vachement plus fluide et vachement plus belle, je trouve. Est-ce que j'ai tout bien associé un peu? Alors, faut dire aussi que la version, là où vous voyez les squales un peu courir au ralenti, mais sur la version PC, c'est 3 fois mieux, je pense. Tu sens que la musique est bonne, toi, des fois qui se race. Ben, ils sont résistants ceux-là. D'accord, plus tard je pense que l'image sera améliorée quand j'aurai acquis mon nouveau PC fixe, peut-être à Noël, sinon au pire ben, ce sera après le bac. J'aurai la carte d'acquisition, donc là où je pourrais commencer à faire des vidéos HD de console. Là, la qualité, je pense que ça sera vachement plus épique et plus agréable. Ah, j'aime cette musique. On va faire un peu d'association, c'est bien. Ça va où j'en suis niveau magie et compagnie. Ah oui, bah là du coup je peux mieux me repermettre et voir. Alors, et toi, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes toi? Turbo, excellent. To the home. Ah, là, on est rentré. Ah bah oui, non mais New, tu crois quoi non? Attends, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ce jeu, depuis que il est sorti, je dois avoir 5 ans. Et de mes 5 ans à mes 17 ans, chaque année j'y joue. C'est une tradition, chaque été je me le fais à FF8. Et je m'en lasse jamais. Mais chaque an. Après, j'alterne, après je suis FF7 et FF8, hein, faut pas croire. Non, moi c'est... Évidemment.
Léviathan, c'est beaucoup plus loin en haut. Oh, Léviathan, c'est quand on revient à la BGU par rapport à... Après le CD... C'est quand on revient au CD2, Léviathan. Ah, ça peut passer que quand j'avais fait le podcast... J'aurais bien voulu reprendre ma sauvegarde... Ah, où j'avais vraiment bien assuré, mais bon, tant pis. Arrête. Vous avez quartier libre. Ouais. Moi, je sais pourquoi ils ont réactivé. Là, je crois que je peux bouger. Non, d'abord. Ouais, je sais, mais... Ouais, je sais, c'est mal de... Mais bon, c'est... Ah, bah t'es vite. Ouais, mais bon, c'est ça l'inconvénient, c'est que moi, c'est... Parce que j'ai même au moment de le acquérir FF8, parce que quand j'ai eu la PSP en premier, j'ai vu FF8 sortir, en fait, sur le PSN. Oh ah, FF8, c'est un truc qui te fait rater ton bac. C'est pas sérieux, tout ça. J'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc. Ah bah FF7. Mais encore FF7, c'est... Il est plus facile à finir que le FF8, ça je me maintiens. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est mon meilleur élève. Oui! Pas très cousin. Je t'ai à l'aise. Paniqué à mort, rien de spécial. Peu à mort. Ah. Oui, j'ai enfin dit la bonne réponse après 12 ans. Oui. Parce qu'à chaque fois, je dis, je me suis senti à l'aise, c'est pas bien. Rien de spécial, c'est pas bien. Une fois que je dis le bon truc. Parce que je suis censé monter normalement. Alors, si je dois pas aller là. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Parce que je sais qu'il fallait monter normalement en haut, attendre les autres. Là, si je mets là et à gauche, ils vont me dire non, tu passes. You shall not pass. On va faire le tour. Ah oui, peut-être voiture. Oh. Ah oui, voilà, fallait que je parle à Safer. Fallait que je parle à Swiffer. Ex-prof, ouais. Comme je le disais la semaine dernière, c'est que il y a même pas la semaine dernière, parce que la dernière fois, parce que nous on l'a suivi, mais on a obéi aux ordres. Ah, du coup nous, on passera quand même si. Ah, oh, t'es deg.
Ah, et là, c'est là qu'il faut que j'aille. You mad, bro? Voilà. You mad? Dommage, tu avais un potentiel. T'es deg. Je suis outré. Ah mais ça, vous n'avez pas quelque chose à faire au bureau. Ah ouais, faut que je remette des diplômes. Ouais, t'es deg. Ouais, c'est pour pas spoiler, c'est pas un peu comme s'il y avait des... Voilà, la Team Rocket. C'est un peu aussi le genre de rival d'un Pokémon. Je fais des allusions, je pense que ceux qui ont fait le jeu savent de quoi je parle. Ouais. Par contre, le problème, c'est que c'est pas sur l'écran de ma télé, d'habitude, j'arrive à le mettre sur les deux, à faire double écran. Ah, ça m'embête. Bah non, c'est un succès, je stresse. Et toi? T'en penses quoi, ce film? Ah, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Bon, je me casse avec Soufferten. Ah. Et quand même, un jour, faut que je me regarde, c'est le speedrun. Le speedrun de FF8, il a été fait en 8 heures. J'y ai pensé un moment à New. J'ai pensé à Banal Fantasy. C'est Puffy. Je sais qu'à un moment faut que... Ah, j'ai pas regardé, c'est... Mais ça doit être manipulation de la chance, mais extrême édition. Ah, ça y est. Merde, short. Ah, Zelle. Oh, mais de Zelle. Tcho. Le mec, la 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 la. Oui, monsieur. Synchronize, Faye. J'adore derrière, Synchronize Fae. C'est pas de la terre. Il y en a que 4 quand même sur 12. C'est magique. Dernièrement, vous êtes membre du site, vous allez faire plein de missions, vous allez sauver la terre sans que vous en rendiez compte. C'est génial. Un site est un guerrier qui plante des petites graines, c'est ça le but des sites. Il faut être garde de lion. Aussi, les costumes sont tout précieux. Tout ce que vous voulez dire, monsieur. Bon, ça, on s'en fout du discours, je vais aller faire le bel basket. Ouais, ouais. Il n'y a pas plus que ça. C'était mes caps. Alors je sais pas si au début c'était moi qui pixelisation qui par rapport à l'écran, mais en fait c'est Z qui bouge. Ça me fait trop marrer. Ça je te fais tant mieux. Et c'est de maîtriser tes émotions. Alors je note quel va être mon score, mais mon score il doit être pourri. Parce que mon meilleur score, ça a été, je crois que j'ai fait 600 maximum. J'ai réussi à faire 600 niveau score. Que je dise pas de bêtises. On a eu de belle, on a eu de bec, on a eu de bec, on a eu de bec. Oh
Ouais, ils sont là, chopez-les, ils ont leur bac, volons leur bac, non! Ça va en plus, moi, pour une fois que je me dis. Chopez-les. Oui, il faut que tu tues Goliath, fuir jamais, battre 50 ennemis, faire certaines conditions spéciales, et le jugement, c'est frites. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, on peut avoir 600, on peut gagner 600 points maximum. Donc, comportement, c'est-à-dire, faut faire certains trucs, genre ne pas aller dans le bar, ne pas suivre selfie quand elle saute. Jugement, c'est le temps qu'on met pour avoir frites, si on a bien jugé le temps. Attaque, c'est le nombre d'ennemis tués. Intelligence, c'est ce nombre de fois qu'on fuit, c'est-à-dire si on fuit une fois, bah, on a les 100 points. Manière, c'est pareil. Donc du coup, et on a 100 points un bonus. Et après, c'est que le rang seed, c'est calculé sur système de points, c'est-à-dire chaque paye donne enlève 3 points. Et un combat rend un point seed. Donc c'est des punaises de calcul ce jeu, mais c'est juste énorme. Donc évidemment, c'est un certain qui veulent refaire le jeu. Il y a la démo sur... Il y a la démo, je vous rassure. Il y a une démo. Et la démo commence ici. Donc évidemment, je vous invite à... Ah mais les quiz, franchement, le truc qu'on faisait avec mon frère, c'était oui. Ah tiens, bah, tu sais combien de fois il faut dire non. Hop, on va quand même faire une petite save. Ah, moi aussi. Je me suis pas trompé de sauvegarde, c'est très bien. Non, parce que voilà, ah, ça c'est mes... Ah, ça c'est mes sauvegardes pour l'instant. 3h44. Ah, c'est-à-dire, ça c'est... J'ai toujours pas passé Goliath à ce moment-là. Je suis à 3h... Je suis à 4h de jeu, donc si j'aurais fait le jeu comme je fais d'habitude, ben, on n'aurait pas fini. Hop, au bol! Encore, j'ai enlevé la sauvegarde comme un con où j'avais jeté à la fin du jeu. Mais quel boulot! J'ai arrêté de parler. Je vais laisser profiter de cet instant magique du jeu. C'est vrai que, franchement, petit, je me suis souvent identifié à Squall parce que j'étais... Le pire, c'est que c'est... Squall, c'est un boulet, mais il est charismatique. C'est un boulet qu'on adore. Et d'un côté, dans l'équipe, ce sont tous plus ou moins des boulets, mais c'est ça qui est drôle. J'ai un rendez-vous important, je me casse. Oui, c'est sûr. Si ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Ah, là, on va commencer les choses sérieuses. Oh, ça, c'est toute la cinématique, ça, quand même. Ah, je me rencontre une fille. Ouais. Qui a du pop-corn? Ok, c'est bien. Il y en a certains qui ont tout pensé pour ce soir. Tu danses avec moi? Lol. Rien à faire. J'ai compris. J'ai utilisé mes pouvoirs de nécromancien sur toi. Tu vas m'aimer, tu m'aimes. Et franchement, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas les tenues en combat. Qu'on ait que les tenues de base, parce qu'il y a certaines, elles sont épiques.
Voilà. Comme vous avez vu, j'ai un logo Pixel Spray. Bon, c'est pas bien, mais bon. Rien que pour cette cinématique, ça va le coup. Mais sinon, je tiens à demander où est passée la flûte de champagne. Et hop. Tu es un bon élève, tu m'aimes cette danse parfaite. Voilà. Oh, ça, c'était de la cinématique. Oh. Donc évidemment, les cinématiques que je juge excellentes, genre celle de Dolé, que j'aurais pu peut-être enlever, je pense, mais bon. Là, il y a certaines scènes, ça s'enlève, le goût. Allez, peut-être je vais essayer de passer à demain, histoire de commencer la prochaine mission. Je te donne un arbre, retrouve-moi là, ça avec moi. Voilà la zone secrète. Oh non. On va vendre la drogue. C'est pas vrai. Ok, si tu veux. Et hop, off. Hop là, t'es, c'est pas pendant d'aïdan. Dans les dents, ça t'apprendra. Ah, quitte à faire les améliorations, tu vas le faire sous la bonne musique, j'ai envie de dire. Tant pis pour la magie, j'ai envie de dire. Oh. Et ça. Voilà, on est bon. On est bon. Et hop là, on est reparti. Changer rendez-vous à la sœur de combat. Allez hop. Là on a des mois, c'est assez étonnant, mais on a des biatons. Je trouve ça trippant. Hop, on change de tenue. Et hop. C'est dommage, j'avais bien, j'aimais bien cette tenue. Bonjour, je veux dormir. Oh, c'est pas grave. Pas besoin de sauvegarder. Et ouais, non, Dissidia. Mais pas Knife F8. Si, je pense que sur PC, je pense que tu dois avoir encore des petits cheats. Allez, dis-moi ton didacticiel que je n'ai rien à faire. Oui, c'est bon là. Je hais des tutoriels dans ce jeu. Et quand même, niveau 7, je tiens à préciser, t'as déjà les magies X. Ça, c'est abusé. C'est cheaté. Encore, je veux bien que quand tu... t'es niveau... Tu commences le jeu pour la première fois, je veux bien qu'on t'explique tout. Je veux bien, mais... On va mettre option, rien à faire. Les forces élémentales ne peuvent être associées. Bah oui, c'est... Mental, c'est pas... Oui, ça m'embêterait de finir sur une touche de... Sur un tutoriel, quoi. Au moins finir sur... En 10 minutes, atteindre la... Au moins essayer au moins d'atteindre la scène, sauvegarder et s'arrêter. Ça, ce serait bien déjà.
Alors, je dis pas aller à faire au point de faire le boss, mais bon, ça. Ce serait bien déjà, avant de qu'on reprenne le marathon. Le marathon de Sandbug, que je trouve plutôt excellent. Ah, cake. T'as manqué la scène du bal. C'est pas sérieux tout ça. Mais bon, j'ai compris. Et hop, on va faire la zone secrète, on va y aller. Alors c'est vrai que si par moment vous entendez le stick, c'est juste moi qui appuie sur le... Moi je crois que je joue sur la manette. Hein, c'est pas sur l'émulateur. Nous, je veux bien que... J'ai aussi l'escape sous les yeux, faut pas croire. J'en ai profité pour regarder le Skype, hein, faut croire. Ouais, c'est pas des T-Rex, yeah! Mon squall, il est un peu en mauvais état, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des magies que je ne connais pas. Ouais, mais moi, c'est pas sous émulateur, j'ai la preuve. Voilà. Ouais, mais moi j'ai la version PC aussi du jeu. C'est juste que c'est dans mes cartons de mes déménagements. Faut juste que je le, juste que j'y retrouve. Ça m'embête. Bah après Banana Fantasy, c'est vrai que dans le set, on est du genre à renommer tout le monde dans à mettre le nom de Banana Fantasy. Bah moi perso pour le moment quand ça me pète je mets tous les noms de Banana Fantasy, Crade et compagnie. C'est un peu fort chez moi. Ah, ça sent le vécu. Bon bah après on a fait fit, on peut renommer que 4 choses. On peut renommer Squall, Inoua, le chien, et après je vais pas dire c'est un peu du spoil. Après je vais pas dire c'est du spoil. On peut renommer Sniffer. Non. Dans le pod. Y'a la pute. Non, c'est bon. Bon tant pis, je crois que je vais tracer, quitte à fuir. T-Rex! C'est Jurassic Park! Vous savez ce qu'il reste à faire devant le T-Rex? Ça fait mal. Ouh, j'ai mal. Ça fait mal. Je me suis pris une queue dans le genou. Avant j'étais un Sid, mais c'était avant de me prendre une queue de T-Rex dans le genou. Alors nous je peux le battre à tous les niveaux. À tous les niveaux, faut pas croire. Parce que je rappelle dans le jeu, quand on monte le niveau, les ennemis aussi. Donc en fait, faut juste avoir fait les bonnes manips et compagnie. Et c'est tout. Donc, du coup. Alors, Pam, je tiens à préciser que cette scène... Ah oui, tu peux le rencontrer dans la forêt quand tu vas voir le Ifrit. Mais ça, cette scène... Je dis bien que à l'époque Windows 98, c'était la scène à crise cardiaque. Parce que c'est généralement là que qu'on soufflait, parce que... Vous allez voir, ce n'est pas le jeu qui te plante, c'est qu'elle est très longue. C'est à ce moment précis qu'on se dit le jeu a planté, le jeu a pas planté, le jeu a planté, mais ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a avec? Voilà. Vous voyez? Il faut attendre une minute avant qu'il parle.
quelle heure est-il? Et vu qu'ils mettent au moins 30 secondes, il est minuit passé. Alors ça, c'est quasiment vrai, dans 6 minutes, on est minuit. Donc je ne serai plus là. Ce sera le marathon qui aura repris ma place. Ah tiens, j'aurais peut-être le temps de... Non, même pas 6 minutes. Ah, t'es plus prof. Fais partie du site, on va peut-être travailler ensemble. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on soit ensemble. Ah, j'ai peut-être le temps de zigouiller le boss. 5 minutes pour zigouiller le boss. Oh, c'est largement jouable. Ah, en faciès cinématique. Oui, Acid Craft, c'est vrai, le nouveau partenaire, mec. Mais par contre, moi, je me demande ce qui est devenu Back to Craft, ça, c'est... j'aimerais bien le savoir. Alors, c'est vrai que je suis quand même fait un petit tour là-bas, le savoir a l'air pas mal. Après, c'est juste que je pense à me remettre en Minecraft de temps en temps. Ah ouais, orgueil. Non, en fait, je crois pas qu'on ait le temps sur le boss, mais quand même pour le... Non, je t'écoute pas. Non, je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Cinématique est trop longue. Je te demande rien, je veux juste que tu m'écoutes. Écoutez, c'est inutile. Bon, je vais quand même faire le boss, donc je recommence quand même pour voir le boss jusqu'à la fin de préparer le lien Twitch TV. De cliquer sur Twitch, je conseille de faire ça. Parce que je pense pas que ça va être coupé avant, je vais être censuré par le bot, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, on va poutrer le boss. Peut-être à se finir sur Game Over hein, aussi. Me connaissant, j'en suis capable. Non, ça faut que je le fasse exprès quand même. Faut pas rigoler. Donc si un combat, je le. Ce qui évidemment j'espérais pas, je vais fuir. Rien à faire. J'ai pas le temps, faut que j'aille faire le boss. Donc apparemment si on se déroule bien le boss on peut le faire en demi. Ah c'est jouable. Et là je vais me faire aggro tous les trois pas, sinon c'est pas drôle. Je vais me faire aggro tous les trois pas. Évidemment quand je veux que ça faire des combats faut que. Je veux faire ça le jeu en low level. Il y a certains qui arrivent à faire le jeu sans qu'un seul des persos principaux gagne un niveau. C'est juste... ah, qu'est-ce que je disais, je vais me faire je parle trop pour tous les ennemis, c'est horrible. Allez. Oui, on y est. On y est presque. On y est, c'est bon. Et qui sait comment retrouver comme par hasard. Donc je vais rafraîchir la mémoire pour certains, ce serait... On retrouverait pas la fille qu'on avait vue au début du jeu. Bon, on sera coupé sur Pixel Spray, donc je recommande vivement de cliquer sur la fenêtre Twitch avant d'être couché censuré pour voir la fin du combat épique. Ouais, on a retrouvé Simone. Donc je vais mettre le lien maintenant. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que t'as toi? Ok.
Ouais, c'est non, c'est juste fini le combat. Après voilà, c'est après je pense que je continuerai plus tard. Bon, de toute façon après au rediff ça se verra donc. Ah la bras. Merci Argy. Ah mais toi ça fait mal. Hop, les trois en moins, excellent. Il a pas volé celle-là. Ah, ah. Là, ouais, aussi, si on a un pouvoir musclé, c'est pas pour... c'est grâce aussi à la Final Fantasy 7, 8. Franchement Simone, tu ça rigole. Oh, c'est joli ça. Ah, si je pouvais faire un score de 200 en live, alors là ce serait épique. Putain. Ouais, évidemment que je pars de gros score pour faire un petit score de merde. Faut que je fasse mon 90. Vas-y. Ah, but. Allez Gérard. Allez. Non, j'ai fait trop tôt. Non, ça fatigue. Bon, tant mieux. Allez, au revoir. Ah, franchement, j'aurais eu 5 minutes de plus sur Pixel 3, ça aurait été parfait. Mais c'est pas grave. Tum, tum, tum. Oh, 16 rocs féeriques. Ah, c'est parfait. Ah, punaise, j'ai oublié. Hop. Qui était-ce? Ah ben moi je me souviens même plus du nom. Ouais c'est Gérard. Oh hey, Gérard. Oui des fois je dis le premier nom qui me sont par la tête pour que je me souviens plus du perso. Non mais. Et hop qui. Et on va rentrer. Allez on va rentrer couscous. Non non je refais. Et c'est vrai que le turbo mais ça te fait le bras droit. C'est horrible. Donc je pense qu'on va aller rentrer se coucher autant. Moi je vais peut-être faire ça. Non je plaisante, je vais pas le faire. Je vais continuer à regarder le truc sur Pixel Spray. On fait de la pub. On fait de la pub. On fait de la pub en tout ça. C'est pas sérieux. Du coup on va aller se coucher. Ben, Squall va aller se coucher. Donc du coup après j'ai envie de dire bonne nuit. Squall. Non, c'est même pas bonne nuit à cette heure-ci, parce que dans le jeu, c'est minuit passé. Là aussi, on est minuit passé. Donc, je dis, Final Fantasy 8, ça se passe en ce moment. Ah, Zen, où t'étais? Je te cherchais pas tôt. Ah ouais, maintenant, on a des dortoirs simples. Yes. Je te cherche depuis une heure, donc il est 1h05.
D'ailleurs, j'avance mes propos sur l'heure. Sauf qu'on voit pas l'heure. Ah, c'est dommage ça. Oh, elle est moche cette chambre. Je vais aller dormir. Bonne idée. Squall, c'est notre première mission, on doit se retrouver à Timber. Mais t'es en tenue. Non, pas besoin, je dors déjà en tenue. Donc du coup, j'ai envie de dire merci d'avoir regardé. Donc du coup, la petite sauvegarde qui va bien. Que je ne prends pas de sauvegarde. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir regardé. Sauvegarde, ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis, j'allais dire la semaine prochaine, mais on sera mort, c'est bête. C'est ballot, hein? C'est pas grave. Ah, enfin bref. Et non, on sera pas mort, je rigole. Oh, ça veut dire, je t'optimise. Enfin bref, donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce live, et je vous dis à la prochaine. Parce qu'il faut pas croire, hein, je vais pas m'arrêter là. Ce sera pas les Mayas qui m'arrêteront. Je survivrai, je ferai au pire, au couteau non sonique. Bantu, Bantu.